Et j'avais même pas remarqué, on a une vue sur la montagne et on voit disparaître au loin la créature divine des Goron. Bon, bah du coup elle a disparu. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Alors, est-ce que je vais jeter un œil à ce labyrinthe là-bas? Ou est-ce que je vais tout de suite voir Gros Allié? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il me demandait au fait au... Alors, attendez voir. Non, il faut que je voie mon journal. Les créatures divines, des photos, des souvenirs, très bien. Le secret des trois cèdres, la bête à deux lances, ça c'est les genres de trucs qu'on a encore à faire. À la source de la force, ça on l'a vu, mais pour le moment je ne sais pas trop. Le fourneau Sheikah. Ah oui, il fallait que je vérifie que j'aille voir Pharas. Parce que du coup on a réparé son fourneau quand même. Mais on n'est pas encore allé le voir. Puisque j'avais cru que mon cheval c'était peut-être leur fils. Oui. C'est aussi bizarre que cela sonne, effectivement. Donc il faut que j'aille les voir. J'ai réparé votre fourneau, les amis. Vous allez pouvoir m'aider. À faire quoi, je sais pas trop, mais c'est bon, ça remarche. Ah, le jeune Link, écoute-moi. Chérie va mieux, beaucoup mieux. Pourquoi vous donnez des noms à vos machines? Enfin, comme ça. Enfin, bon, bah elle a une tête, donc c'est normal. C'est sûrement grâce au pouvoir de l'amour. Oui, mon amour pour elle a réactivé ma chère chérie. En fait, non, c'est plutôt moi qui l'ai réactivé, mais bon. Oui, bon, merci. Tiens, voilà pour toi. Je te suis reconnaissant de l'avoir réactivé. Trois flèches d'archéonique, fruit de la technologie ancienne. Les courtes lames qui servent de fer à ces flèches contiennent de l'énergie antique. Elles sont redoutables contre les gardiens. J'adore ces flèches. Ces petits bijoux sont le fruit du savoir secret des Sheikah. Pour ma part, je n'ai fait que les améliorer pour en faire des armes anti-fléaux. C'est de l'équipement archéonique très très performant. Et j'ai nommé ces merveilles les flèches d'archéonique. Ouais, bah c'est logique jusque-là. Ma tendre chérie ne se spécialise pas uniquement dans la flèche archéonique. Elle peut aussi fabriquer toutes sortes d'équipements archéoniques. Ça t'intéresse? Eh bien, c'est simple. Donne-lui donc des matériaux antiques et quelques rubis et elle s'occupe du reste. Des rubis? Zut, il m'a entendu. Pardonne-moi, Link. Depuis que le château d'Hyrule est tombé, nous autres scientifiques manquons de moyens financiers. Dis-toi que c'est un moyen de nous aider. Alors, donne les rubis! Et allie-toi à nous pour nous débarrasser du fléau. Ouais, ça m'étonne pas. Yo, bienvenue. T'insères des matériaux et de l'oseille, et moi, je vous échange tout ça contre de l'équipement archéonique. Bah, très bien. Ouh, équipement archéonique. Casque archéonique. Plastron archéonique. Wow, jambière archéonique. Arc. Je veux tout. Me faut de l'argent. Alors, il y a quoi? 6-3-3. Ah quand même, c'est assez gourmand. Il me faut des cœurs antiques et des cœurs antiques géants. Ah, j'ai pas ça, moi. Cœur antique. Cœur antique géant. Cœur antique, cœur antique, cœur antique. Et il faut beaucoup de choses antiques, ma foi. Flèche archéonique, ça coûte combien ça? Ça en donne une seule. 5 flèches, par exemple, ça coûte combien? Ça fait cher tout ça. Bon, c'est pas grave. Bien, merci d'avoir utilisé nos services. Yo, j'espère te revoir bientôt. Très bien, c'est quand même cool, c'est quand même cool. Ah, mais il y avait une torche ici, mais j'y crois pas, mais quel abruti! Il y avait une torche à l'intérieur et j'ai bah, pas fait gaffe. Tant pis. Chérie fonctionne parfaitement. Tout ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est de nous débarrasser de Ganon. Eh bien, tu as besoin de moi? Je lui ai déjà demandé qui il était, je sais plus. Je suis le spécialiste des gardiens, le directeur de ce laboratoire antique. Pour toi, je serai le docteur Pharas! Très bien. Seulement voilà, ce n'est pas chose facile de faire des gardiens ses alliés. J'ai donc eu une idée de génie, de fabriquer de l'équipement archéonique contre des composants de gardiens. Tu as d'autres questions? Les gardiens. Ce sont des armes automobiles que nos ancêtres les Sheikah ont développées pour lutter contre Ganon. Nous en avons extrait certaines de la terre, d'autres étaient enfermées dans les monolithes autour du château. Leur forme comme leur taille varie. Mais il y a 100 ans, Ganon s'en est emparé, et ce avec une facilité tout bonnement inconcevable. C'est pourquoi nous menons d'intenses recherches afin de trouver un moyen de les récupérer. Tu as d'autres questions? C'est qui, chérie? Ma chérie bien-aimée. Non, mon fourneau Sheikah est un appareil ultra sophistiqué. Je l'ai mise au point moi-même, et il permet de fabriquer des pièces d'équipement archéonique. Elle est parfaite, je dirais même exceptionnelle, tu ne trouves pas? Je l'ai nommée d'après mon premier amour, mais ma femme n'aime pas du tout ce nom. Ma femme me réprimande à chaque fois que j'appelle le fourneau Sheikah par le nom que je lui ai donné. Tu as d'autres questions? Non. Arrivederci, mon ami. Très bien, oui, effectivement, je comprends que sa femme soit pas très contente. Hein. On va dire, c'est logique. Le reste du labo est un peu démoli, non? Il est passé où le toit?
Bah, il n'y a pas de toit. Donc voilà, ça c'est fait. On a ramené ça ici. Est-ce qu'on va aller faire un tour dans ce labyrinthe comme on l'a aperçu? Je serais tenté de dire oui. Non, j'ai pas envie d'abîmer une de mes armes, moi. Je vais pas abîmer une arme, si. Ah si, tant pis. La lance de cérémonie. Ah. Bah ça met du temps à casser, hein. Les bombes c'était plus efficace, mais bon. Ah non, ma lance de cérémonie va bientôt se briser. Tant pis, c'est juste une lance de cérémonie. Je crois qu'on peut en avoir d'autres. Alors. Est-ce qu'il y a moyen qu'on atteigne l'entrée de ce truc? Ou est-ce qu'il faudrait partir de plus haut? Je ne sais pas, donc on va tout simplement essayer. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'on peut atteindre l'entrée. Il y a un peu de vent. Ah, il y a des gardiens volants. C'est intéressant. Si on arrive à atteindre l'entrée, ça peut être sympa. Et en dessous, c'est quoi? C'est l'océan? Allez, courage, mon petit Link, tu peux le faire! Ne tombe pas trop bas, cela dit, parce que sinon après c'est le grand plouf dans l'océan et à mon avis, ton endurance ne suffira pas à te sortir de ce mauvais pas. Après on peut toujours se téléporter, vous me direz. Je me demande si on peut se téléporter en l'air. Pas vraiment essayer. Dans tous les cas, ça a l'air de passer l'île Dédale. Le jeu de mots, bah oui, ça a l'air d'être un dédale, en effet. Mais on sait comment s'en sortir dans les labyrinthes. Enfin, ça ressemble pas vraiment à un labyrinthe pour le coup. Et hop, petit atterrissage en douceur. Toi qui t'aventures en ce jour dans le labyrinthe de l'île perdue, je vais te mettre à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve, mon ami. Réussis à traverser le labyrinthe et tu auras ma bénédiction. Donc c'est bel et bien un labyrinthe. Ça tombe bien, nous, on aime les labyrinthes. Alors, on va faire la technique d'aller à gauche, comme d'habitude. Hop. Toujours à gauche. Toujours à gauche. Bon, là, on a fait le tour d'un pilier, j'en suis bien conscient, mais bon. C'est la stratégie. Toujours à gauche. Il n'y a rien par là. À gauche, et je pense que là, soit on revient sur nos pas, soit on s'enfonce encore plus. Je ne sais pas trop. À gauche. Longeons le mur, et peut-être qu'on est dans une impasse déjà. Ah non. Non, non, tout va bien. Je ne vois pas trop où je vais pour le moment. Bon, on longe toujours ce mur-là. Ce serait drôle qu'on ait choisi le bon endroit du premier coup. Ça m'étonnerait, mais... On peut escalader les murs? Oui, on peut escalader. En cas de pépin. Alors, à gauche, il n'y a rien. Il y a bientôt un gardien sur notre route. D'ailleurs, il faudrait qu'on commence à affronter les gardiens, hein, pour avoir plus de matériaux. Clairement. Salut! Ah, il est dans un endroit un peu délicat, le pauvre. On va pouvoir le bombarder. Bon, il a pas l'air de perdre de la vie très vite, par contre. À ce rythme-là... Prends ça! Et ça! Et encore ça! Oups! M'en fiche, tu vas mourir, gardien! Voilà. Bon. Pas très résistant, ce gardien. Bon, dans tous les cas, on a ramassé pas mal de trucs. Il faut pas que je me trompe. Je suis venu de là, donc je dois longer par ici. Sinon, ça annule un peu toute la stratégie. On va suivre par là, il n'y a rien. Donc on va par là. Non, rien ici, rien ici. À gauche, il y a quoi? À gauche, il n'y a pas grand-chose. Bon. On est perdu dans le labyrinthe de l'île Dédale. Où est le Minotaure? On vous me dira, à la place d'un Minotaure, on a des gardiens. Je pense que l'échange est quand même valable. Puisque les gardiens sont assez redoutables normalement. Hop, on vérifie quand même. Oups là. Qu'on voit pas un coffre ou quelque chose comme ça. Non. Il y a toujours la pluie, donc ça veut dire qu'on pourrait monter sur les murs.
Enfin, du coup, comme il pleut, on pourrait pas monter sur les murs. Mais je veux dire, à la base, ça veut dire que le toit est ouvert. Pas il est ouvert, il est coloré en vert. Hein. Non, non, il est ouvert. Voilà. Oui, je sais que vous aviez compris, mais je me suis dit que le jeu de mots était drôle quand même. Plus ou moins drôle. Alors, où vais-je comme ça? J'ai l'impression de m'éloigner de mon but. Ah. Mais de trouver des coffres à la place. Cœur antique! Ah, c'est parfait, j'en voulais. Il m'en faudrait plus, par contre, s'il vous plaît. Ouais, sinon, pendant qu'on se balade dans ce labyrinthe, bah, c'est cool. On peut parler et tout. Voilà, ça va, vous, la famille, le poisson rouge, le chien, tout ça. Ou le chat, hein. Moi j'ai des chats plutôt. Hop, alors. Trêve de rigolade. La gauche, ça n'a plus l'air de fonctionner. Mais arrête de monter sur les murs! La gauche, ça n'a plus l'air de fonctionner parfaitement pour le moment. La gauche ici, peut-être. 20 sur 20, qu'est-ce qui nous attend un peu plus loin? Va falloir bouger ça. Ok, on doit aller par là. Est-ce qu'on aurait besoin de ce truc pour aller quelque part? Je ne sais pas. Bon, pour le moment, on va le laisser là où il est. Non, j'ai pas l'impression qu'on en ait spécialement besoin, donc on va continuer. Là. Très bien. Petit labyrinthe, enfin petit, celui-là, il est grand hein, quand même. Il a l'air assez grand. Je vois la vie de mes ennemis, mais j'en croise pas, c'est assez drôle. Une échelle, très bien. Et elle mène où cette échelle? Est-ce que ça me rapproche du temple? Pourquoi il y aurait tout ça ici? Ça doit forcément avoir une utilité. On va remettre nos flèches normales. Non, 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 ne tire pas, Link. Ça, à mon avis, ça va quelque part quand même. Allez, on va juste jeter un œil. Il y a peut-être un coffre. Bon, il faut que je me souvienne comment. Ah! Oh oh! Intéressant. Longue épée des flammes, cette épée magique antique qu'un forgeron goron aurait forgée dans la fournaise de la montagne de la mort libère des flammes quand sa lame brille d'une lueur rouge. C'est génial, on a bien fait de venir ici et de pas suivre la règle du tourner à gauche uniquement. Bon, maintenant on va la reprendre, bien entendu. Donc c'était par ici. Un petit écart intéressant, en plus elle a de la gueule cette épée. Hein. Des chauves-souris. C'était un peu radical hein, pour combattre des chauves-souris, je l'avoue. Mais bon. Il fallait bien qu'on les affronte. Y a-t-il un masque de chauves-souris d'ailleurs? Ce serait assez drôle. Ah! Bien. Bah. D'accord. Ça s'est plutôt bien passé. Sanctuaire de Tukaro. Il doit y avoir d'autres trésors. Alors, en sortant du sanctuaire, on ira suivre à droite. Tout simplement, c'est cool. On l'a réussi à le trouver sans mettre trop de temps avec cette technique comme d'habitude. Ça marche plutôt pas mal. C'est cool. Alors. Petit sanctuaire, révèle-nous ce que tu nous réserves. Oups, la caméra. Vas-y, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Peut-être qu'il n'y a pas d'épreuve tout court, hein, puisque je viens de faire tout un labyrinthe. Oui, voilà, bon, bah, c'était assez clair. Tukaro t'accueille dans ce sanctuaire au nom de la déesse Ilia, tu as surmonté l'épreuve. Bénédiction de Tukaro, sanctuaire de Tukaro. Eh bah, c'est pas mal. Gentil petit labyrinthe. Casque barbare, ce casque d'un peuple guerrier qui aurait autrefois habité Firon arbore des motifs antiques qui simulent l'ardeur de son porteur et augmenterait sa puissance d'attaque. Oh là 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 là, c'est cool, on commence à avoir un set.
On commence à avoir un 7. Bon, maintenant, ce serait bien qu'on ait le bas. Parce que là, du coup, on a le casque et on a le gilet barbare. C'est peut-être que dans les labyrinthes. Oh, ça fait badass, ça. Salut, mon petit gars! Donne-moi ce que je suis venu chercher dans ce labyrinthe. À part de l'amusement, du fun et de l'aventure. Bien entendu. En parvenant jusqu'à ce sanctuaire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Ouais, je m'en rends bien compte. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Merci beaucoup, donne-moi ça, que je puisse aller vaquer à mes occupations d'aventurier. Ah. Merci bien. Toi, tu ne joues pas avec tes bracelets, c'est bien. Tu as compris que ça se mettait autour des bras. Tu es le deuxième, je crois. Ou peut-être qu'il y en avait avant, mais je faisais pas attention. Emblème du triomphe, on en a cinq. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Merci bien. Salutations à toi et bon repos là où tu vas. Okidoki, maintenant c'est ouvert et il y a des gardiens juste en face. Bah vous savez quoi? Vous ne le savez peut-être pas, mais on va s'amuser un petit peu avec ces gardiens. Je dis s'amuser, c'est peut-être eux qui vont s'amuser avec nous. Attendez. Quand est-ce qu'ils reviennent? J'ai envie de m'amuser un peu. Quoique, attendez. Oh, il y a un gardien en bas. Allez, on va s'aventurer un peu dans le labyrinthe. On va suivre la droite cette fois-ci. Pour voir s'il n'y avait pas d'autres trésors. Trésors. Ça nous remonte où ça? Donc on va voir s'il n'y avait pas d'autres trésors. Et j'ai l'impression que je remonte vers le sanctuaire. Et après, on ira faire quelques combats contre des gardiens. Oui, je remontais vers le sanctuaire. Ah d'accord, je peux me propulser avec ça en fait. Bon allez. On va se propulser avec ça, non? Ah non, ça nous permet de remonter plus vite ici. Ah bah c'est cool. Bon allez, on va jouer avec le gardien d'en dessous là. Ouais, je dis jouer, c'est peut-être lui qui va s'amuser avec nous. Tiens. Ça mène où ça? Je suis pas là. Ça mène nulle part, mais c'est pour se planquer, je crois. Allez. Bah il est passé où? Faudrait vraiment pouvoir les éliminer un par un. Ah, le voilà. Le voilà. On va jouer un peu sérieux. Il est où mon casque? Prends ça et ça. Oups. Oui, je risque pas de lui faire beaucoup de dégâts, j'en suis bien conscient. Oh, on l'a retourné. Et encore. Et encore. Ah bah dis donc. Il prend cher avec cette arme-là. Ah mais on lui coupe ses pattes ou quoi? C'est énorme. Il a largué des boulons partout, c'est mignon. Bon, il est un peu en galère. On va le libérer de sa souffrance. Après, nos armes sont vraiment très puissantes, faut dire. Tiens, prends ça! Un coup de torche! Tiens! Tu vois les torches qu'on a gagnées si durement? Eh ben, on les casse! Tiens! Le pauvre, il est dans une situation assez délicate, là. On peut faire un peu ce qu'on veut avec lui. C'est un peu triste. Bon, la lance de cérémonie, elle est bientôt morte, donc voilà. Elle est foutue. Très bien. On va utiliser ça. Ouais, je sais très bien viser. Incroyable talent. Bon bah il est mort. Désolé mon petit, mais j'ai besoin de ce que tu contiens. J'ai besoin de beaucoup de ce que tu contiens. Je crois qu'on a un autre cœur antique. Et on en a trois. Incroyable. Incroyable. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Est-ce qu'on va s'aventurer dans un autre couloir? J'ai bien envie d'aller vérifier quand même. Et ensuite de m'attaquer au volant là. Ça peut être pas mal. Bon, allez, on va s'aventurer. Cette fois-ci, on tournera uniquement à droite pour voir si on y serait arrivé de la même façon. Ou s'il y a d'autres gardiens dans les environs, ça serait sympa. On passe en mode chasse aux gardiens. Faut quand même que j'observe autour de moi s'il n'y a pas des coffres et tout.
Je ne sais pas. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. J'ai l'impression que j'ai choisi le premier endroit du, le bon endroit du premier coup, mine de rien, tout à l'heure. Il y a peut-être plusieurs chemins qui y mènent, mais celui que j'ai choisi était pas mal. Ah, chauve-souris. Désolé, les gars. J'ai pas de temps pour ça. Pas de coffre par là. À droite encore, à droite tout, à droite y a rien. À droite par là, à droite ici. Non, c'est un cul-de-sac. J'ai l'impression que c'est un beau cul-de-sac pour le coup. On a vraiment bien fait de choisir l'autre direction au début. Là, il n'y a rien. On fait demi-tour. On longe ici. Je ne sais pas s'il y a plusieurs chemins qui y mènent. Mais dans tous les cas, pour le moment, on ne dirait pas spécialement. Il n'y a pas spécialement de trésor en plus sur ma route pour le moment. Rien ici, rien ici. Toujours rien par là. Un rocher. Il y a un peu la même configuration que tout à l'heure, mine de rien. Enfin, pas, c'est pas un rocher pour le coup, mais... Pousse-toi pour voir. Rien de particulier ici. Hein. On va continuer à longer la droite. Ça nous a bien réussi tout à l'heure. Rien là. Il faudrait que j'aille par là, logiquement. Il faudrait que j'aille là. Hop, ça permet de rapidement faire le tour de tout le labyrinthe, mine de rien. Longez toujours le même mur à partir du moment où vous en êtes fixé un. Ça marche du tonnerre. Les tutos d'Assassin's Creed. Ah bah voilà. Des armes et tout. Et c'est le home run. La chauve-souris disparaît dans un nuage de poussière. Elle griffue. Hallebarde de chevalier. C'est pas extraordinaire. Donc voilà, les tutos d'Assassin's Creed. Ouais, ils sont pas forcément très pertinents ni très exceptionnels, j'en conviens. Mais bon, dans tous les cas, ils ont le mérite d'exister maintenant, grâce à cet épisode sur les labyrinthes. Si un jour vous êtes perdu dans un labyrinthe, voilà ce qu'il faut faire. Par contre, pour les techniques de combat contre Minotaur, ne me demandez pas. Moi, quand j'étais petit, j'étais traumatisé par le Minotaur. J'avais regardé la série Hercule. Et à un moment donné, il y avait un épisode sur le Minotaure et ça m'avait terrifié l'idée qu'il puisse venir te couper la tête. Moi, j'avais trop l'impression qu'il allait venir dans ma chambre le soir me couper la tête, donc je me cachais sous la couverture. Et ouais. Comme si une couverture allait vous protéger d'une hache de Minotaure. Mais bon, vous savez les enfants, on aime bien croire à des trucs un peu magiques. Sans spécialement de raison. Enfin, je dis les enfants, mais les adultes aussi, hein, la religion et tout, des fois, hop! Les superstitions, plus que la religion d'ailleurs, bah des fois c'est bien. Ça me fait penser à ce genre de petites croyances qu'on avait quand on était gamin. Même si j'ai rien contre la religion, attention. Oh là là, toi. Mange ça dans la figue! Wow! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Non, dégage de là, dégage, voilà. Espadon de chevalier dans ta face! Ça fait deux fois qu'il me fait le coup. Tu veux bien arrêter de rebondir? Voilà! Ouh! Il s'est brisé mon espadon? Je suis tristesse. Je suis profondément tristesse. Bon, tant pis. Bon, là on va pas s'embêter. Boum! Boum! Voilà. On règle les problèmes. T'es un peu résistant toi, non? Aïe! Hey! C'est pas sympa de me mettre le feu comme ça. J'étais déjà bien chaud de toute façon. Non mais. On tourne à droite. Et c'est quoi ça? Arc le chevalier. Eh ben c'est le coin des trésors pourris cet endroit. L'autre coin c'était mieux. Exploration du labyrinthe. Ouais, d'habitude, les gens essayent d'en sortir le plus vite possible. Non, non, moi, j'explore les labyrinthes. J'aime bien. Je ferai beaucoup moins le malin quand je me serai complètement perdu. Hein. On est bien d'accord. Alors, toi. Mange. Allez, bon. Tiens, un coffre. Génial, on a trouvé un coffre. Rubis argenté. Ah, de l'argent. En plus, on a besoin d'argent. Ça tombe bien. On va avoir besoin de beaucoup d'argent.
Vu ce qui nous attend pour les armes archéoniques, les armures et tout, ça va être pas mal. Enfin, à mon avis, on se rapproche du centre là, non? Pas l'impression qu'on arrive au bon endroit. En tous les cas, ça ne me gêne pas, puisqu'on a déjà fini le sanctuaire, donc c'est pas spécialement. On voulait pas spécialement retourner au sanctuaire. On en est où là? Tududu. J'entends les flammes. C'était pour ça. Non! Ouh là là. Je croyais qu'il allait encore m'exploser à la figure. Ah, un autre coffre? Eh ben dis donc. Épée royale, cadeau de la famille royale, blablabla, blablabla. Très bien. Il me fallait plus d'armes, ça tombe bien. La droite, c'est un cul-de-sac. Quand est-ce qu'on revient au milieu, là? Ça fait un peu longtemps qu'on s'est aventuré ici. La droite, c'est encore un cul-de-sac. Là, c'en est pas un, on va pouvoir y aller. S'il vous plaît, poussie-toi. Hop, voilà, nickel. Encore à droite. Hop. Très bien, on doit revenir au centre là, j'ai l'impression. Ça, c'est quoi? Un cul-de-sac? Une sorte de cul-de-sac. Mais c'est intéressant. Hop. Donc, il y a un coffre ou quelque chose comme ça ici? Oh, joli. Épée de chevalier, bouclier de chevalier. Bouclier de chevalier, ça peut être intéressant, non? Les boucliers de chevalier, c'est cool. Bon, tant pis, ça, je peux en retrouver. Parce que les boucliers de chevalier, c'est vraiment puissant, donc c'est plus intéressant. Vive les chevaliers! Alors, maintenant. Quand est-ce qu'on revient au centre dans cette histoire? Je ne sais pas. Ah, lune de sang? Lune de sang, les amis! Donc, le gardien qu'on vient de défoncer, il va repop aussi? La lune de sang, elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. Et nous prendrons garde, ma petite Zelda, et confiance. T'as pas envie de mourir, hein. Après, si le gardien est revenu, ça serait génial, parce qu'il a droppé pas mal de choses tout à l'heure. Je vais partir en chasse au gardien. Ma nouvelle mission. Link, le chasseur de gardiens. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on revient au centre, là? Sinon, à un moment donné, je me téléporterai au centre, hein, mais... Est-ce que j'ai intérêt à aller par là? On va aller jeter un œil quand même. Histoire de... Bon, il n'y avait rien par là. Là peut-être. J'entends les gardiens volants, ça très clairement. Ils sont plus très loin. Le problème des labyrinthes, c'est que vous pouvez vraiment être proche de votre destination sans pour autant pouvoir l'atteindre. Hop, oh, là je l'ai chuchu. Oh là 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 là. Non, tu m'électrocuteras pas. Vive les hallebardes. Tout ça pour tomber dans une sorte de piège au final. Non, j'ai pas envie de grimper au mur. À droite. Ah, ça y est, on est revenu au centre. Bon, bah on a fait plus ou moins tout le tour du truc, je pense. Lui, il est revenu. Ça, c'est parfait. Je vais te casser la patte. Tu vas peut-être me tirer dessus avant, d'ailleurs. Voilà, une patte de moins. Bon, ça se passait un peu moins bien que tout à l'heure parce que j'ai pas la même arme. Oh oh. Non! Oh la vache. Il est plus malin qu'avant. Il bouge beaucoup plus. Bon, faut dire, on lui avait mis cher tout à l'heure.
Bon, écoutez, on va repasser aux armes sérieuses, hein. Voilà. On redevient un peu plus sérieux. Parce que sinon, on va avoir quelques problèmes. Voilà, mon petit gars, tu prends cher. Alors, c'est comment sans tes pattes? C'est mieux, hein? Ah, beaucoup mieux, t'es beaucoup plus joli comme ça. Oh. Je crois qu'il nous a vus. Il essaie de nous tirer dessus. Oh bah, c'est bon. Tiens! Non, laisse tomber cette patte, ça sert à rien. Je t'ai dit, tu peux laisser tomber. Voilà, très bien. Est-ce que tu vas me donner un cœur antique? Ce serait top. Merci bien, mon petit. Bah, d'un seul coup, on a plein de cœurs antiques. C'est génial. Bon, maintenant. Maintenant. Le sanctuaire, il était où? Parce que si je peux remonter un peu, ce serait pas mal. Ah, le sanctuaire est tout là-haut. Bon, j'aimerais remonter pour pouvoir être justement à hauteur des gardiens volants. Pour pouvoir leur exprimer toute ma gratitude et ma façon de penser, tout simplement. Non, pour pouvoir les chasser, on est d'accord, hein. Ah. Bah d'accord, il va falloir escalader. Je dois pouvoir parvenir jusqu'en haut, normalement. Oui, très clairement, ça doit le faire. Je vais juste équiper quelque chose d'un peu mieux. Histoire d'y arriver sans trop de difficultés. Et ensuite, c'est combat contre les gardiens volants. Ça, c'est cool. En espérant qu'on va finir par trouver des cœurs géants, mais je sais pas où on trouve ça. Peut-être sur des beaucoup plus puissants. Allez savoir. Allez, mon petit Link, tu vas y arriver sans aucun problème. On a confiance en toi. Ça devrait le faire. J'avais pas réalisé que j'avais des cœurs en plus parce que justement, c'était Mifa qui me les avait donnés en me ressuscitant. Ça, c'est cool. En plus, pour le moment, on n'a pas eu besoin d'utiliser nos fées. Ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Bon, là, pour le coup, je suis content d'avoir une bonne barre de stamina quand même, hein. Une bonne barre d'endurance, ça aide pas mal. Oh là 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 là. Ah, mais ils sont combien? Ah, ils sont plus que ce que j'imaginais quand même. Ma foi, c'est intéressant. Si on pouvait les combattre et les dégommer, ce serait royal. Alors, mon arc va bientôt se briser. Oui, peu de... pas important du tout. Bon, le combat va être assez délicat parce qu'on risque de tomber des plateformes. Ça, c'est un peu dommage. Ramasse! C'est tout ce que ça lui fait, il s'en fiche. Comme il m'a pas vu, il s'en fiche. Eh bah, très bien. Écoute, mon gars, on va en profiter. Ça pique, hein? Ah, par contre, ça va être trop délicat là. Il faudrait pouvoir le faire descendre. À mon avis, en tirant dans ses moteurs, peut-être. Ça va être tendu. Surtout si je le loupe à chaque fois. Bon, les flèches de glace, c'est pas forcément la meilleure idée qu'on ait eue, mais j'essaye. Oh là là là, non, je veux pas descendre. Je veux pas descendre! Non! Remonte! Mon dieu. Flèche normale, j'en ai combien? Que 13! Ouais, en gros, c'est du gâchis, quoi. Olé! Eh, tu vas où comme ça? En plus, on l'a loupé, quoi. On a cassé un moteur? Je crois qu'on a cassé un moteur, les gars. Et du coup, on a récupéré un arbre antique. Est-ce qu'on peut récupérer d'autres trucs?
Il a encore pas mal de vie, donc il faudrait vraiment casser plus de moteurs que ça pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant, et surtout pour le faire tomber plus bas, là. S'il pouvait tomber au centre, ce serait cool. Parce que là, on n'a pas beaucoup de flèches, donc on tiendra pas très longtemps à ce rythme-là. Et les flèches archéoniques, c'est cool, mais ça coûte un peu cher, donc j'ai pas forcément envie de les utiliser. Est-ce qu'on lui a bien détruit un moteur, pour le coup? Allez, mon petit Link, il faut y retourner. Ah, on a perdu de vue. On l'a perdu de vue. J'espère qu'il va pas regagner de la vie. Je vois pas pourquoi il le ferait, mais bon, on sait jamais. Ah, il revient. Le revoilà. Notre petit gardien. À qui on va faire des misères. Alors, il a bel et bien perdu un moteur. Très bien. Ça, c'est génial. Zut. Je suis ici. Cours! Olé! Cette esquive débile, franchement, ça ressemblait à rien comme esquive. Oh la vache. S'il me repère quand je suis ici. On l'a loupé, ça c'est vraiment dommage. Olé! C'est ça, reste focalisé sur moi, mon petit gars. On va s'amuser encore un peu ensemble. Par contre, faudrait que je me rapproche. Parce que là, le petit malin, il s'éloigne. Et c'est beaucoup plus dur de viser ses moteurs, du coup. En plein dans le mille. C'était prévisible, hein. J'ai pas couru en latéral. Ah bon, il faut que je me soigne ce coup-ci. Sinon, on va avoir quelques ennuis. Je crois que j'ai plus rien pour me soigner purement. Si, j'ai ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux pour augmenter une résistance, peut-être? On a des faits dans tous les cas. J'ai rien pour augmenter la résistance, rien pour augmenter l'attaque. Très bien. Bon, on va faire avec. On va faire avec et on va manger des fruits. Où sont-ils? C'est pas vrai qu'ils se sont enfuis comme ça, lâche. Hop, hop, hop. Cours! Est-ce qu'il pourrait pas se rapprocher, cette espèce de lâche là? Ça m'embête vraiment qu'il aille à distance comme ça à chaque fois. Hein. Tu m'embêtes! Et un moteur de moins. Et en plus, c'est pas tombé. Oh oh. Je crois qu'il y en a un deuxième qui nous a repéré. Cours, Link! Olé! Quelle esquive! Ah non, c'est toujours lui! Ah bah c'est parfait. C'est parfait si c'est lui. Oups. Ah, on a été touché. On a été touché, je ne pensais pas. Je pensais qu'on lui avait échappé. Relève-toi, Link, parce que là, il faut courir. Cours. Ah, encore? Non, 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 non. Oh la vache! La chute, quoi! En tout cas, l'autre, il va bientôt tomber. Il a plus qu'un moteur, donc franchement, on peut l'avoir, donc on va y retourner. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de passer cette... De louper cette occasion, tout simplement, parce que là, les combats contre les gardiens, c'est plus ou moins rentable, quand même. Hein. C'est dommage qu'on soit tombé, par contre. ...1024 sur 1500, et surtout si on lui démolit son dernier moteur, ce sera du gâteau. Surtout s'il tombe dans le labyrinthe, alors là, ce serait génial. Parce qu'à mon avis, en tombant, il va se faire mal. Hein. Oh, il nous a vus. Pour le moment, il peut pas nous tirer dessus, tant mieux, parce que sinon on serait un peu dans la galère. Bon, par contre, dès qu'on va remonter, il va nous voir, ça c'est clair.
Et il a l'air un peu plus violent qu'avant, puisqu'il nous touche un peu plus souvent aussi. Hein. Voilà. Et on l'a loupé. Ouh, c'est pas passé loin. Il reste bien à distance maintenant. Hein. J'aimerais bien toucher son moteur. Oh, bingo! Il est tombé! C'est génial. On est parvenu à nos fins. Alors, par contre, je sais pas du tout... Ah, d'accord, c'est tombé là-dedans. Oh, bah, il est bien, lui. Ah, bah, là. GLaDOS, c'est toi? On dirait GLaDOS. Bon, qu'est-ce qu'on a quand même pour l'achever? Parce que là, le pauvre, il est au bout de sa vie. On va y aller tranquillement, dans un premier temps. Ah. Ça va pas être facile de le toucher, là, comme ça. Voilà. On va y aller tranquille, hein, avec des petites armes. On n'a pas besoin de gâcher nos grosses armes, puisque, bon, là, il est clairement la tête en bas. Là, là, là. Là, là, là. C'est très difficile. Alors, autre chose, une petite arme. Là, 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 là. Bon, ça prend un peu de temps, hein, mais bon, au moins, on va récupérer des matériaux. Bye bye. Tout est tombé. Oh, parfait. J'ai pas l'impression qu'il y a un cœur antique là-dedans. Me serais-je fait rouler ? Du coup, je ne peux plus escalader. Très bien. Bah, je vais me téléporter pour sortir de là. J'espère que le cœur antique n'est pas tombé ailleurs, genre sur le côté et tout. Je serais un peu déçu si c'était le cas, mais bon, non, je pense pas, hein, franchement. Au pire, on ira affronter d'autres gardiens. Hein. Maintenant qu'on sait que c'est plus vraiment un problème. Attendons. Allez voir quand même. Allons voir quand même de l'autre côté du mur sur lequel il se trouvait. Ça devrait être à peu près par ici. Dans tous les cas, je pense que c'est bon. On a fait ce qu'on avait à faire, et même un peu plus dans ce labyrinthe. Donc on va se re-téléporter. On va sortir de là, on va retourner au laboratoire, je pense, hein, tout simplement. Bon, bah pour le coup, ici, c'était cool. Il y a pas mal de bonnes choses à faire. On va retourner ici, au labo. Récupérer Epona, tout simplement, et aller voir où se trouve Gros Allié. Bon, eh bien, c'était très sympa, cette petite dose de labyrinthes et gardiens. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, c'était sympa. On a pris confiance en nos capacités. On est prêt maintenant à aller affronter des gardiens. Donc ça, c'est cool. Peut-être pas tous, hein. J'imagine qu'il y a des gardiens plus forts que d'autres, des gardiens géants ou ce genre de trucs. Vu qu'il y a un cœur géant, à mon avis... Ah, tiens, une pierre. Korogu ? Korogu ou pas ? Korogu, forcément ! Salut, mon petit ! Nandin Fight, tu m'as trouvé ! Eh oui, je t'ai trouvé. Alors, voyure, pas de problème. Maintenant, est-ce que je peux fouiner là-dessous? Non, je peux pas fouiner là-dessous. Eh bah tant pis, je vais récupérer Epona. Viens par là, Epona. Nous avons une mission accomplie. Oh, tu t'es fait un nouveau pote, un renard. Salut, petit renard. Allez, ma grande, il est temps de reprendre notre route et d'aller voir où se trouve Gros Allié.